Oasis. Loué soit Dieu. Et loué soit notre roi Fulk. Pendant des années, nul chrétien n'a eu la permission de s'y arrêter. Depuis, Fulk s'est lié d'amitié avec le roi Hussein. J'ignorais que jadis l'Oasis nous était défendu. Remercie le ciel qu'aujourd'hui il n'en soit plus ainsi. Cela signifierait qu'il faudrait faire un pénible détour de plusieurs lieues. Tandis qu'à présent que nous avons fait la paix avec Hussein, nous allons pouvoir nous y reposer et nous y rafraîchir. Allez, viens. Une halte. De la fraîcheur. De l'eau par-dessus tout. Allah nous les envoie. Et maintenant, tu as voulu tuer ces deux-là, mais ils sont encore des dizaines et des dizaines. Ils vont se jeter sur nous. Pourquoi? Nous n'avons tué personne. C'est Hussein qui a tué. Hier, les Bédouins et les Francs étaient alliés contre nous pour nous empêcher de piller les caravanes de pèlerins. Mais demain, leur belle alliance va mourir. Le parchemin! Tu sais, Thibault, nous avons fait ce voyage pour rien. Il ne se passe rien dans la région de Terrac. Alors il faut que nous retournions à Jérusalem, où il se passe toujours des événements passionnants. Jérusalem, une taverne et une chope bien fraîche, hein? Baron Gerbert.
Merci pour votre hospitalité. Vous êtes les envoyés du roi et à ce titre, toujours les bienvenus. À présent que je vous ai fait part de la volonté du roi Foulque, vous êtes tenu de rester en paix avec Hussein. Un templier sait s'incliner devant un ordre, même s'il lui arrive de le désapprouver. Le roi n'en demande pas davantage. Le roi Foulque sait, je lui ai répété moi-même très souvent au cours de nos entretiens, que la sécurité de notre commanderie n'était possible que si nous avions le contrôle de l'oasis. Mais Hussein s'est engagé à nous en laisser l'accès. Aujourd'hui, peut-être, mais demain. Hussein est un homme de parole. L'habitude que vous avez de fraterniser avec les infidèles vous rend aveugle et sourd à leur traîtrise. Vous accordez encore crédit à la parole d'un arabe? Hussein s'est montré un ami loyal. Pourquoi vous entêtez-vous à ne pas croire en sa parole? Thibault, le roi est en terre sainte depuis si peu de temps que je conçois que certaines vérités lui échappent et qu'il commette des bévues. Mais vous, vous qui avez vu le jour ici, vous qui connaissez les Arabes, vous devez bien savoir que je suis dans le vrai. Hussein barre la route de Damas qu'il nous faudra conquérir si nous devons vaincre les Turcs. Thibault, il faut que vous fassiez comprendre cela au roi. Que si nous cessons d'avancer, nous sommes perdus. Que les infidèles parviendront à reprendre le Saint-Sépulcre si nous ne les exterminons pas tous. Vous raisonnez en soldat. C'est logique et je comprends votre point de vue. Mais je ne saurais le partager. Hussein nous interdit la route de Damas, c'est entendu. Mais cela veut dire qu'en même temps, il empêche les Turcs d'arriver jusqu'aux portes de Jérusalem. C'est parfait. Je vois que maintenant, vous raisonnez en arabe. Vas-tu considérer ce qu'il dit là comme une insulte? Non, comme un compliment. Permettez que je vous accompagne jusqu'au portail. Moi, Hussein, fils de Kamil, je tuerai ainsi tous ceux qui traverseront mes terres et qui souilleront l'eau de mes fontaines. Pauvre Blanchot. Adieu, Jérusalem. Plus de taverne, plus de beuverie. Nos frères d'armes ont trouvé une mort glorieuse au service de notre Seigneur. Mais leur sacrifice n'aura pas été offert en vain. Au-delà de la vie, ils continueront à servir. Ils nous aideront à faire triompher la cause du royaume du Christ, ici, en Terre Sainte. C'est pourquoi devant Dieu, et devant vous, mes frères, j'en fais serment, ils seront vengés. Mais pourquoi enfin? Pourquoi Hussein a-t-il rompu l'alliance? Hier encore, rappelle-toi, il nous a dit combien il s'en félicitait. Je ne comprends plus du tout. Moi aussi, Thibault. Allez dire au roi que la guerre est maintenant déclarée. Oui? Un homme est là dehors qui désire vous parler. Il se nomme Massoud. Quoi, ce bandit? Que peut-il encore vouloir, celui-là? Nous allons voir. Massoud. Seigneur Gerbert, je viens demander ton aide. Pourquoi? Là-bas, au point d'eau, tous les hommes du désert pouvaient faire boire leurs chevaux. Hussein l'avait promis. Je le sais. Ce que le seigneur Gerbert ne sait pas, c'est qu'Hussein a tué deux hommes à moi. Où cela, à l'oasis? Oui, seigneur. Oh, il ne s'attaquera pas au seigneur Gerbert. Le seigneur Gerbert est fort. Hussein préfère s'attaquer à moi. Mais toi, si tu lui parles, peut-être... Je n'interviendrai pas en ambassadeur auprès d'Hussein.
Il a tué deux de mes frères d'armes au point d'eau. Il a osé. Alors il est temps de l'arrêter. Je connais cet homme. C'est un voleur de troupeaux qui se livre au pillage et qui détrousse les pèlerins tout au long des routes. Quelle réponse vais-je porter aux hommes du désert? Tu auras une réponse ce soir, au coucher du soleil. Le reste de la journée est entièrement consacré aux funérailles de mes frères d'armes. Oui, Seigneur. Rendons d'abord hommage à nos frères. Retire-toi à présent. Le baron Turlot te portera ma réponse. Je l'attends avec mes hommes au bord de l'Oued, où je vais enterrer mes morts. Va. Notre roi et Hussein ont tous les deux donné leur parole. Vous ne pouvez rompre l'alliance. Seule Foulk peut en décider. Et qu'a donc fait Hussein? Ne nous a-t-il pas donné la preuve qu'il avait rompu le premier? Il s'est toujours montré un allié loyal. Assurez-vous au moins que tout cela est exact. Nous occuperons l'oasis. Ainsi, nous garderons ouverte la route de Jérusalem jusqu'à l'arrivée des renforts du roi Foulk. J'irai moi-même trouver Hussein. Vous? Vous allez vous rendre à Jérusalem et vous ramènerez les renforts sur mon ordre. Jamais les Templiers et les Bédouins ne voudront se battre. Ton plan était trop beau. Nous te protégerons, toi et tous les hommes du désert. Je dirai à tous les hommes du désert, ne partez pas. Le seigneur Gerbert va tuer Hussein. Je pourrais le dire? Oui, tu le peux. Les seigneurs Templiers vont nous délivrer de Hussein? Oui. Ainsi je l'ai voulu. Les infidèles et les bédouins vont se couper la gorge. Regarde là-bas, Gerbert et les Templiers. Ils prennent la route de Jérusalem, le point d'eau. Ils vont occuper le point d'eau. Le point d'eau qui est à Hussein. Ralliement au repère de Sanjar. Où vas-tu? Trouver Hussein. Tu sais, Thibault, tu as eu raison d'obéir à Gerbert. Tout à fait. Tu as donné à Gerbert ton opinion. À présent, advienne que pourra. On ne saurait exiger de toi davantage. Tu as bien fait. Oui, tu as très bien fait. Jérusalem nous attend. Ses palais, ses souks, ses tavernes, ses danseuses. Blanchot, je vais te décevoir une fois encore. Nous n'allons pas à Jérusalem. Yeah. Je te salue. Thibault, tu es maintenant mon ennemi. Mais Aziz, tu es venu jusqu'à notre camp et de ce fait, tu es notre hôte. Cela te protège une dernière fois. Où allez-vous ainsi, toi et tes cavaliers? Au point d'eau! Tous au point d'eau! Thank you.
m'offenser? Non, je demeure toujours ton ami, Hussein. Voilà le moment de le prouver. Gerber prend les armes contre moi. Il croit que tu as trahi notre roi. Et toi, que crois-tu? Je sais que tu n'as pas tué les deux Templiers. Merci, Thibault. Et pourtant, nous allons nous combattre. Sais-tu qui est venu? Massoud. Il s'est plaint de Gerber. Et il est allé trouver Gerber pour se plaindre de toi. Ah, ce Massoud, un voleur et un fourbe. Pas une goutte de sang ne doit être versée pour satisfaire les odieuses ambitions de ce traître. Il n'est pas le seul à vouloir cette guerre. As-tu réussi à faire entendre raison à Gerber? C'est un soldat. Il n'a qu'une idée en tête, combattre les Arabes. Et Aziz, celle de combattre les Francs. Il faut que nous retrouvions Massoud. Il faut savoir la vérité coûte que coûte. Je crois savoir où il est. À Sanjar. Je suis vieux. Je ne suis plus un guerrier. Mais je te suivrai. Pitié. C'est toi qui as tué les Templiers à l'Oasis. Non, 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 c'est Massoud qui les a tués. Je lui ai toujours dit qu'il ne fallait pas tuer les chrétiens. Moi, je ne voulais pas. Non, je ne voulais pas, mais il a pas voulu m'écouter. Là, je ne voulais pas, je ne voulais pas. Il m'a sauvé la vie. Tu aurais fait la même chose. C'est juste. Il a la main! Il a la main! Il a la main! Il a la main! Au
traître. Il t'insulte? Il ignore encore la vérité. Tu étais censé revenir de Jérusalem avec Foulk et ses troupes, mais tu nous as trahis. Baron Gerbert, vous devez m'entendre. Nous nous battrons après, si à ce moment-là vous le jugez bon. C'est Massoud qui a tué vos frères d'armes au point d'eau. C'est Massoud qui nous a jetés l'un contre l'autre. Maintenant, si vous y tenez encore, je ne me déroberai pas. Vous n'allez pas combattre à cause d'un voleur. Parle. C'est Massoud qui les a tués, je ne voulais pas. Parle. Nous sommes venus dans la nuit. Et au matin, quand les deux Templiers... Quand les deux Templiers, continue. Quand ils sont arrivés au point d'eau, Massoud les a tués. Seigneur Gerbert, il me semble qu'une conclusion s'impose. Cette oasis ne doit plus tomber entre les mains des pillards du désert. Plus jamais. Vous semblez y tenir plus que moi. Cette oasis commande la route de Jérusalem. Baron Gerbert, en guise de nouvelles preuves de ma fidélité à notre alliance, et pour vous punir d'en avoir douté, je vous confie la garde de cette oasis située sur mon territoire. Pourquoi cette générosité? Vous la devez à Thibault pour le service qu'il m'a rendu, qu'il nous a rendu. Le crime de ces bandits n'aura pas été inutile. Il m'aura appris à vous connaître.